La particularité de la maternité de la source, c'est en fait une prise en charge personnalisée, en pouvant faire du one-to-one, c'est-à-dire une sage-femme, une patiente. On a une prise en charge quand même plus personnalisée, vu que la patiente connaît le médecin, a souvent rencontré l'équipe avant dans le cadre d'un cours de préparation à la naissance. Je trouve que le projet de naissance, c'est une bonne chose, mais il faut que ce soit très personnel. Ce qui est chouette, c'est qu'en fait, les sages-femmes sont rappelées pour que ça puisse, même si l'accouchement est un peu différent, ça puisse être quelque chose qui ressemble à ce que vous aviez envie de faire. On essaie de créer comme une bulle, comme s'ils étaient un peu à la maison, une bulle un peu d'ocytocine, hein, l'ocytocine qui est une hormone pour aider à donner les contractions. Il y a vraiment plein de possibles au sein vraiment des salles et au niveau des soins. On propose donc pour gérer la douleur les massages. On peut aussi faire de l'aromathérapie grâce à notre sage-femme qui nous prépare des petites mixtures magiques. On peut aller dans le bain, mettre de la musique, lumière tamisée, faire une ambiance vraiment un peu cocooning, que la patiente vraiment se sente à l'aise et en confiance. Ça, c'est très important. On a une volonté d'aller vers une pratique très physiologique, c'est une demande des patientes aussi. Mais je crois que ça a toujours été l'idée pour un gynécologue, un bel accouchement, c'est un accouchement physiologique. C'est notre rôle d'être responsable de la physiologie pendant l'accouchement, c'est ce qui est naturel. Donc on veut forcément aller vers ce qui est naturel parce que c'est ce qui est normal. Il y a l'anesthésie par inhalation, par protoxyde d'azote oxygène, donc c'est aussi appelé le gaz hilarant parce que c'est un effet euphorisant. Par exemple, j'ai pu utiliser le gaz pour aider à gérer la douleur. Le premier accouchement, j'ai quand même eu 7 heures de contraction relativement douloureuse. Et puis au bout de ces 7 heures-là, j'ai demandé la péridurale parce que je n'en pouvais plus. C'est très faiblement dosé, l'anesthésie locale qu'on donne. La maman, elle va sentir le bébé sortir, elle va sentir les contractions, mais elles ne sont pas douloureuses. Maintenant, avec les péridurales, on peut quand même pas mal se mobiliser. On peut se mettre à quatre pattes, sur le côté. On peut toujours demander une péridurale, sauf quand le bébé sort, donc à l'étape finale de l'accouchement. Parfois, il faut partir en césarienne. C'est des choses qui se décident avec l'équipe, parfois très rapidement. En fait, on s'est rendu compte que Victor n'était pas positionné pour un accouchement voie basse. Donc, on est parti en césarienne assez rapidement. Donc là, la sage-femme, elle reste avec la patiente. Donc, on descend tous ensemble au bloc opératoire qui est disponible 24 heures sur 24. Et en fait, on suit la maman. C'est la sage-femme qui récupère le bébé, qui le présente aux parents s'il va bien tout de suite. Quand on me l'a posé contre moi tout de suite, et puis qu'on m'a demandé « Ah ben du coup, comment il s'appelle ?» et tout ça. Et, les gens étaient super choux, faisaient des blagues. Et puis c'était complètement démystifié, en fait, cette césarienne, cette chose que, en fait, je voulais pas. Je suis appelée à venir examiner les nouveaux-nés après leur naissance et également être à disposition lors de la naissance pour soutenir le bébé en cas de besoin et accompagner la famille jusqu'à leur sortie de la maternité. Au moment de l'accouchement, le plus joli moment, c'est quand on donne le bébé à sa maman. C'est une récompense et c'est quelque chose de très touchant, on est très proche, en même temps on essaye de se tenir un petit peu à distance. C'est un moment que le couple vit en fait. C'est des moments chargés en émotions. C'est toujours gratifiant de partager cet instant exceptionnel pour les parents. Évidemment, le moment où on pose mon fils sur moi, et puis à côté il y a mon mari, la sage-femme, ouais, c'est des souvenirs inoubliables. La Source, partenaire de votre santé tout au long de votre vie.